Alors aujourd'hui, c'est une mini-entreprise S. L'objectif, c'est de développer la créativité des jeunes, de les faire travailler en équipe. Donc aujourd'hui, ils ont réfléchi à une thématique qui était trouver une solution pour que les troisièmes obtiennent un stage qu'ils ont choisi. Donc la ville de Clermont, elle a des partenariats avec des associations qui sont Entreprendre pour apprendre ou le Club des Mille pour faciliter en fait et développer les compétences relatives à l'entrepreneuriat. Donc par exemple l'entraide, le partage, l'innovation, la créativité. Donc pour réaliser justement ce projet, ils sont passés par tout un tas d'activités. Ils ont émis toutes les difficultés, tous les manques qu'il pouvait y avoir derrière la recherche de stage pour un troisième. Ils ont ensuite sorti plusieurs solutions, plusieurs idées pour en dégager une sur laquelle ils ont travaillé, planché pour élaborer une affiche et un pitch, donc une présentation courte qu'ils ont ensuite présentée face à un jury. Je suis ici puisque je suis adhérent au Club des Mille. Le Club des Mille est un club d'entreprise qui valorise les pratiques managériales et la diversité dans les entreprises. Nous participons aujourd'hui à Entreprendre pour apprendre parce que nous pensons que c'est une excellente manière pour relier le monde économique et le monde scolaire. Sur cette problématique du stage, pour Entreprendre pour apprendre, on les aide surtout à développer des compétences professionnelles. Aujourd'hui, par exemple, ils ont développé leur capacité à prendre la parole en public, à travailler en équipe, à s'écouter, à échanger, aussi à argumenter sur leurs idées. Donner envie aux élèves, en tout cas, leur faire se poser des questions sur quelle voie choisir, c'est important, il faut qu'on anticipe, il faut que le parcours à venir qui se crée au collège doit se faire depuis la 5e jusqu'à la 3e. Donc oui, on va réitérer ce genre d'action tous les ans et de la 5e à la 3e. Alors du coup, ce projet s'inscrit dans un projet un peu plus global avec la ville de Clermont-Ferrand avec lequel on est en partenariat, puisqu'on a aussi mis en place une mini-entreprise S la semaine dernière qu'avec le collège Albert Camus. L'idée, c'était de travailler avec les agents territoriaux du développement social urbain pour aller à la rencontre des collégiens et notamment les 3e SECPA pour leur apporter des compétences, des outils pour les aider dans leur recherche de stage, puisque c'est une thématique sur laquelle la ville de Clermont-Ferrand travaille en ce moment. C'est pas pour oublier, t'as pas oublié le chapeau sur Rêve. Non, regarde, il est à l'envers.